Le paradis, c'est chaud ce soir. Et là, on ne dira pas, c'est les leaders politiques. Ah oui. Ah oui. Si les Guinéens sont fâchés ce soir, les Conakrykas, c'est qu'ils étaient habitués à l'électricité. Ah oui. Plusieurs quartiers de Conakry, dans les rues ce soir, manquent de courant. Même Sangaridi, on dit qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'électricité. Kindia, tout le monde a vu. Je vous ai dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Ça tire à balle dans certains quartiers. Maman dit, je t'avais prévenu Doumbouya. Là, il m'a dit, on t'avait prévenu ici. On ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir, ça demande un savoir-faire. Un savoir-faire. Maintenant, vous pensez que non, c'est le commandement. On m'a dit, ils ont tout dit ici sur le président Fakonde. Le 5 septembre, colis, d'après toi-même. Vous avez tout dit. Je t'ai dit, Mamadi, il dit là-bas à Djoumana. Voilà. On dit, un jeune vient d'être tué à Lambani. Ça dit, c'est tous les quartiers de Conakry. Ils ont compris, je vous ai dit, peuple de Guinée, tant que vous n'allez pas décider pour dire Doumbouya doit partir, même si le président Fakonde ne vient pas, hein, mais c'est le bandit là qui doit partir. Parce que d'autres, ils sont tellement remplis de haine, pour eux, leur problème, c'est le président Fakonde. Même la vérité est devant eux, ils ne veulent pas dire. Mais je vous avais dit, on ne peut pas comparer les deux régimes. Jamais. Ceux-là, c'est des bandits, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Parce que ils étaient déjà avertis que le président Fakonde allait les arrêter dans l'affaire de drogue. C'est narco. Peuple de Guinée, vous avez compris maintenant. Vous avez vu plusieurs quartiers de Conakry. Les gens ont compris. On dure dans ça, c'est fini. On dure dans ça, c'est fini pour la Guinée. Ils ne vont rien apporter. 2 ans, les caisses étaient pleines. Les caisses étaient remplies. Les bandits ont tout dilapidé. Ils ont tout vidé. Même les fonctionnaires. Otambe dit bandit non ma projet de rabade. N'a fouillanté ne voyant Mamadi. Otam fouillanté au voyant son nom. Avant le coup d'État, l'électricité c'était comme ça dans le pays. Y'a même ma fouillanté, Mamadi dit bandit non ma misera. Au voyant son nom. Vous voyez la Guinée maintenant. Vous voyez tout le pays aujourd'hui. Dans quel état nous nous trouvons aujourd'hui. Mais pourtant, au départ, vous étiez là à gueuler. Voilà, Souma Kassori qui dit de Dixine Terrasse jusqu'à Lambani. Attendez, je crois même que j'ai des images qu'on nous a envoyées. Ça dit, Guy Fébara Fala, ce n'est pas politique. Mais Redarek Narana, courant, dit Bandi Efa, Enakunakana, administration, Kaloum, le bateau était là-bas. Le temps de terminer, soit petit. Les bandits et n'a fait finir pagaïra. À ce moment-là, au Deji Biasi. Ça, c'est pas politique de. Ça, c'est pas l'Asroudale. Ça, c'est pas Sidia. Bandit d'Oro. Vous pensez que c'était de la pagaille. Vous avez cru que c'était de la pagaille. Maintenant, vous allez sentir. Tout Conakry actuellement. Regardez. Ça, c'est à Kisoso, un transformateur. Vous avez vu Kisoso? Il y a un transformateur. Bon, d'après les gens, il y a un magasin qui a pris feu. Donc, le transformateur qui est juste à côté, ça a pris feu. Et plusieurs quartiers de Conakry. C'est chaud dans plusieurs quartiers. Dans plusieurs quartiers. On vous avait dit, les gars, Nara, ce groupe de bandits, ils ne peuvent rien apporter. Les Guinéens, ce que vous devez demander, tout simplement le départ des bandits, c'est tout. Point bas. Demandez le départ de Mamadi. Nana Fala Robert, Omar même. Vous devez demander le départ des bandits. Vous avez vu d'autres images?
d'autres images de Conakry ce soir. C'est-à-dire, c'est comme si tout Conakry, et ça, personne ne dira que non, c'est les politiques qu'on a appelés. Non. Moi, saint de Ramadan, il fait très chaud. Kouramouna, dit Bandiefa, et la Guinée a développement piétiné. Il y a même un des Dougoula, Kono Mamadi, autant Dougoula. C'est-à-dire, je me demande si il y a des Guinéens qui réfléchissent. Au 21e siècle, Birin Katama, des intellectuels, puissent diriger leur pays. Mais autant, et en plus des bandits, connaissent Roma. Une honte. Honte. Ah, président Alpha Condé. Ah, Fama. Ah, Dieu sait faire les choses. Ah, Alpha Condé. Voici. Des bandits, comme je l'ai toujours dit. Ils sont venus freiner le développement. Président Alpha Condé, 86 ans. 86 ans. Bata mundu mutam pusema di bandefa enara yarabbi bini yaore enatongo enafinit eratrofera wallahi ala mudiyama di borima mamadi je t'avais dit tu n'as rien vu d'abord wallahi ça c'est petit d'abord mamadi j'ai dit ça dit kabale tato ki ben il se ritole comme un voleur ce que tu as fait au présent amakorobo c'est ceux qui sont intelligents qui comprennent. Je ne dis pas des Dougouladés, ceux qui sont intelligents. D'enfanté, il sait ce. Tu ne dépasses en aucun cas le président Fakonde. Je l'avais dit. J'ai dit, même au Chevy, tu n'arriveras pas. Le résultat est devant tout le monde. 2 ans, la Guinée aujourd'hui, vous avez tout délapidé. Tout délapidé. Bandits faussement, ils sont en train de construire. Ils ont fait sortir leur famille parce qu'ils savent que ça va péter. Tous ces gens-là. Et Moussa Moïse, sa famille est où? Bala Samoura, Idi Amin, tous les membres de ce gouvernement-là, Bachir, toute leur famille est à l'étranger. Maintenant, c'est pour dilapider nos biens maintenant. En tout cas, j'ai dit merci et chapeau à tous ces intellectuels qui ont refusé d'être membres de ce gouvernement. Tous les intellectuels. Conscient. Le pays est là aujourd'hui. Aucun changement. On met les gens à la retraite. On enlève Julien Yombuno. Après avoir pris les 100 000 des candidats. Combien de personnes ont donné 100 000 Je vous avais dit le recours. Ah, la Guinée. Damaro, je vous avais prévenu. Je vous avais dit ici, j'ai dit, c'est du tape à l'œil pour bouffer votre argent. Ils ont recruté qui? Ils ont pris qui? Les fonctionnaires qui sont là, ils sont incapables de les payer. Ils vont payer qui? Les enseignants contractuels. Je vous avais dit quoi? Pourtant, je vous avais dit, mais il faut réfléchir un peu seulement. Les fonctionnaires de l'État, les bandits sont incapables de les payer. C'est d'autres qui vont prendre pour payer. Je vous avais dit, ah ça c'est du tape à l'œil. C'est pour dire, voilà, on est prêt. Ils ne peuvent pas. Et mon homme. D'abord, les factures qui sont là, on ne sait même pas quand on va payer. Près de 2 milliards de dollars de dettes auprès des banques privées. J'ai dit 2 milliards de dollars. 2 milliards de dettes. Ça dit chaque fin du mois, ce n'est plus l'État qui paye, c'est les banques privées. Tout est bloqué. Les bandits sont venus tout délapider. Ne serait-ce que l'année 2022, ils ont délapidé plus de 1 milliard 800 millions. L'argent est monté, c'est descendu, on ne sait même pas. Allez-y demander l'inspecteur de l'État. Ça dit qu'à Koumfin ou Takana Blamo, Djamana Kuna, ko Djamana Okata Heresorola, Koumfin Bansan, vision tant la fouille, l'arrogance des bandits, son baba Bansan. Regardez, les nominations par affinité, au lieu de prendre des responsables, des gens capables d'aider, au lieu de mettre le mérite devant, hein? Bon, maintenant, ah, Dieu merci. Le Fama est honoré. Allez, le Fama mana. Mais il est honoré aujourd'hui. Les bandits, les tombeurs du président Alpha Condé. Ah! Non, Dieu sait faire les choses. On vous a dit. Ça dit, comme l'a dit Makanera, il dit, donnons du temps au temps. Tout ce qu'on va dire au départ, là, on va nous insulter, on va tout dire. C'est le président Alpha Condé qu'on a pris comme drapeau. Promener à Conakry, partout dans les tours. Oh non, non, non! Changement! Allah, on vous avait dit. Vous avez applaudi pour rien. Vous avez applaudi pour votre malheur.
Celui dont vous avez traité de mauvaise personne, j'ai dit c'est lui, vous allez dire, ah, si on savait, lui il était mieux. C'est devant tout le monde. Devant tout le monde. Les opérateurs économiques du pays aujourd'hui, tout le monde pleure. Les opérateurs économiques, tout. C'est-à-dire, il n'y a aucun secteur aujourd'hui en Guinée. Tu vas dire, non, ça va, alhamdoulilah, il n'y en a pas. Et Maya Kolo, c'est des vauriens. C'est ce que je vous dis, c'est des vauriens. Et des gens qui n'ont rien dans la tête. N'étant pas fait, ceux-ci-là vont venir s'arrêter devant nous. Quand ils vont nous apprendre quoi? Comment des vauriens vont nous apprendre quelque chose? Comment des vauriens vont nous guider? Comment ces vauriens-là vont nous guider? Et c'est ce que cette jeunesse paresseuse, ces feignants de jeunes, Kongaï et Kodumbuya va faire quelque chose. Flanquez-vous tous ces projets, tous les grands projets. La route nationale, ils ont fait quoi? C'est Alpha Condé. Les barrages en cours qui ne peuvent même pas terminer, c'est président Alpha Condé. Vous, vous êtes là-bas. Ngaï et ces vauriens sont en train de travailler. Vous pensez que les changeurs de Bambeto, le truc là, c'est ces bandits-là? Tous les projets qu'eux-mêmes, ils ont commencé, aérodrome. Tout est aux arrêts parce que l'Asmouna, Banque Centrale, ne peut même pas payer les fonctionnaires. C'est des projets de développement, ils vont payer. Ils vont financer. Les institutions, personne ne va venir donner quoi que ce soit. Même Paul Kagame qui est militaire. Le bandit s'est déplacé, aller chez Paul Kagame. Vous pensez que Paul Kagame est bête pour donner de l'argent à la Guinée? Vous pensez que la FMI, les institutions, ils vont donner de l'argent à la Guinée? Il n'y a même pas un climat de confiance. Regardez autant des dadis. Les institutions là donnaient de l'argent parce qu'il y avait un climat de confiance. Jean-Marie Doré, paix à son âme, était le premier ministre du gouvernement. Et là, les partis politiques ont décidé ensemble de choisir tonton Jean-Marie Doré. Donc il y avait un climat de confiance. Les partenaires pouvaient aider la Guinée. Vous pensez qu'actuellement il y a un climat de confiance? Regardez le gouvernement, c'est ceux qui les ont supportés, qui ne représentent absolument rien, qui ne sont même pas connus. Les Baouri, les Faya Bruno et Bogola Abba, tous ces gens-là. Non mais c'est incroyable. Non, ne répondez pas à ce Naloma-là. Il est déjà banni sur ma page. Anka Fomo Lunyana. Ma falane birimbe, mungé baratoro, nos mamans aujourd'hui. Nos mamans dans les marchés. Hey, c'est ce qu'elles disent. Que, ah, Alpha Condé attend. Moumouni dit colon. C'est ce que nos mamans disent. Que le temps de Alpha Condé, ceux qui sont en train de vivre. Regardez, nous avons connu Ebola. Ebola, nos frontières fermées. Mais grâce aux relations, aux contacts. Je vous dis, ce n'est pas être gros, grand, comme des bêtes qui sont à la tête du pays. Il faut avoir la tête. Il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut gérer le pays avec sagesse. Pas avec arrogance des Amara, des Bala Samoura. On ne gère pas un pays avec arrogance, je vous avais dit depuis longtemps.